Avertissement, ce programme peut contenir un langage et des scènes violentes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Vous savez, je peux dévorer plus de 500 donuts en moins de 5 minutes, vous croyez ça? Je suis en train de dégommer la cage. Bon. Ah, voilà, nickel, ok, on a réussi. Tu me barres, j'ai rien à perdre. Vite. Bonjour à tous, c'est Jordan, bienvenue dans ce nouvel épisode sur le serveur Law Enforcement sur 5M. On est reparti aujourd'hui dans la peau d'un civil avec ce petit personnage que vous ne connaissez pas, puisque c'est un nouveau personnage qui s'appelle donc Norbert Donny, qui est un personnage en fait un petit peu atypique, puisque c'est l'américain de base en fait, tout simplement, le mec qui est fan de fast-food, le mec qui est fan de bonne bouffe, de tout ce qui est burger, donut, etc. Et la petite particularité, c'est que ce personnage, il est à pied. Et ça va être la petite particularité de cet épisode, voilà. Donc il est assez borderline en fait comme personnage, je vais faire un personnage assez borderline. Et la petite particularité c'est que à tout moment il peut faire des conneries comme il peut être gentil, voilà. C'est un petit personnage on va dire en bêta test, puisque c'est vraiment la première fois que je vais le jouer. Toujours donc sur le nouveau serveur en tout cas, 5M, j'entends une sirène qui se déclenche, je sais pas ce qui se passe, bref. Toujours en tout cas sur le serveur 5M, et c'est vrai que la dernière fois, il y en a un d'entre vous qui m'a fait remarquer dans les commentaires que je n'avais pas le PLD en bas à gauche. Donc le PLD, on peut directement l'activer en fait de ce petit menu, voilà, tout simplement. Ok, alors ce qui va se passer en fait, c'est que Donny est une personne, en tout cas Norbert Donny, est une personne qui aime beaucoup les donuts. Donc dans son background, hein, c'est un personnage qui aime beaucoup les donuts. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans un petit quartier où il y a pas mal de véhicules de personnes riches, puisqu'on est du côté de Rockford Hills. Et on va regarder tout simplement, on va faire les véhicules, on va regarder s'il n'y a pas des petites boîtes de donuts. Voilà, on va un petit peu arpenter les lieux. Et puis, ce qui pourrait être fun, ça serait de déclencher une petite interaction, justement, avec la police, comme quoi je vole les donuts. Voilà. Donc, c'est parti. On va un petit peu se diriger en ville, on va aller un petit peu arpenter les coins. Regardez, on a une petite voiture, là, plutôt jolie, plutôt sympa. Et puis on va aller à la recherche de donuts. Je pense qu'on va partir du principe que les véhicules en fait qui ont des espèces de coffee cup, c'est des véhicules j'adore quand ils courent les personnages. Ouais, les véhicules qui ont des coffee cup, on va partir du principe que c'est des véhicules en fait qui ont genre des courses ou des boîtes de donuts ou des trucs comme ça ou des cheeseburgers. Voilà, donc c'est parti, on va aller un petit peu se diriger en ville. Donc on va être assez long avec ce personnage parce que voilà, la petite particularité c'est que il vient de très loin. Et il vient comme il peut, avec les moyens du bord, il se fait déposer à droite et à gauche par des gens. C'est parti, donc on va un petit peu arpenter les rues du secteur de Rockford Hills. Et puis on va aller à la recherche de donuts, c'est parti. Oh merde. Je crois que j'aperçois enfin un véhicule stationné. Et par contre on a intérêt à rester prudent parce que j'ai croisé la police à l'instant avec une Taurus undercover. Non pas undercover, Slick Top. Donc on va rester prudent. J'espère qu'il y a un petit coffee cup par contre là-dedans parce que depuis le temps que je cours avec ce personnage. Ah, il y a un petit coffee cup. Bon, on va tenter de casser la vitre. Parce que bon, on va partir du principe que ma personne a de la force hein, quand même. Donc je vais taper dedans et on va voir si on arrive à péter cette putain de vitre de merde. Non, je vais pas y arriver. Allez, pète, pète. Putain, est-ce qu'elle pète ou pas? Allez, explose-toi. On va essayer de monter dessus, peut-être que ça, on va arriver à péter la vitre. Par contre, faudrait pas que je tape quelqu'un, voilà, c'est ça le problème. Allez, explose, vitre de merde. Je sais pas concrètement si la vitre peut péter à un moment donné ou pas. On va peut-être essayer de ce côté conducteur. Putain, je suis en train de dégommer la caisse, je pense. Ah, voilà, nickel, ok, on a réussi. Alors, du coup, on va faire notre petit appel 911, c'est parti, /911, on va mettre une habitante. Du quartier signale une alarme de voiture dans le secteur Movistar Way. Et on va mettre tout de suite donc hop le bloc 4B33. Bloc 4B33, c'est parti. Ah, ça a mis tente du quartier par contre. Ok, ça a dû bugger. Bref, du coup on a réussi à récupérer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc là, oui, j'avais dit que du coup, tout ce qu'il y avait, coffee cup, etc., on part du principe que c'est une boîte de donuts. Ok, c'est... Oh putain, il y a une voiture de police pas loin, par contre, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a une voiture de police pas loin. On va rester un petit peu en retrait pour voir. On va partir du principe que j'ai pas eu le temps de voler ma boîte de donuts. Puisque, du coup, ouais, j'entends la sirène. Ouais, dans la réalité, c'est évident quand on entend une sirène. On va éviter de rester dans le secteur. Ok, on va essayer d'aller de l'autre côté parce que ouais, j'entends une sirène de police à mon avis. Il y a une voiture de police qui doit pas être tellement loin. Ok, ouais, elle est juste là. On va faire attention. C'est une Taurus Slick Top. J'espère qu'elle va pas venir me parler. Ok. On a l'air d'avoir la Taurus juste là. Oh, joli, bien joué, le demi-tour. C'était magnifique. Oh merde. J'espère qu'ils vont pas me griller. Je vais tenter quand même de rester dans le secteur sans trop me faire griller. Je crois que la voiture, à la suite de ça, est complètement immobilisée là-bas, la Taurus, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, cela dit, moi j'ai pété ma vitre, mais j'ai pas eu le temps de récupérer ma boîte de donuts. Parce que bon, dans la réalité... Ah putain, c'est parfait, nickel. Ah merde, putain, il y a un véhicule là-bas. Ok, il y a un véhicule de police, putain, j'avais pas vu. Je sais pas s'ils ont vu la... Je vais tenter de faire diversion. Je vais tenter de faire diversion. Bonjour! Bonjour! Bonjour monsieur. Bonjour. Je me gare, attendez. Oui, en léger. Oui, d'accord. Droite, oui, je me gare, je me mets sur la droite. Genre, il est à vous le véhicule, monsieur? Non, pas du tout. Alors, j'ai vu le petit monsieur, là. Un petit monsieur, je dirais une cinquantaine d'années. Il est passé par là-bas, il a fait oui. Le tour, il a explosé la vitre du véhicule, il est parti. Il est derrière, là-bas. Il c'est un petit monsieur d'une cinquantaine d'années, je dirais. D'accord, vous pourriez me donner plus d'infos ou vous savez juste qu'il est petit? Oh non, non, il est petit, il est brun, plutôt costaud. Faites juste ma description. Oh, j'ai pas 50 ans, d'ailleurs. Je vais prévenir à ma radio, d'accord? Oui, d'accord. Mais il est quand même... il est quand même fort, hein. Vous devriez faire attention, hein. Il se lâche pas faire. Dire que c'est moi qui ai explosé la vitre. Attends, je vais mettre des débris. D'accord, ce que je vais faire, c'est que vert sur le sol proche de... Vous pouvez pas me dire, il y a pas plus d'informations? Non, je peux simplement vous dire qu'il a regardé à l'intérieur du véhicule. Je sais pas s'il a été très intéressé par ce qu'il a vu, mais il a explosé la vitre avec son coude et puis il est parti par là-bas, comme je vous disais. Non, attendez, plutôt par là-bas. D'accord. Du coup. Il a fait le tour, il a été sur le parking. D'accord, très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand j'ai vu la police, je me suis dit que je vais aller les renseigner, c'est la moindre des choses. Très bien. Vous avez vu à tout hasard le propriétaire du véhicule? Oh non, 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 bah non, moi je fais que j'ai que passer, moi j'allais m'acheter une petite boîte de donuts là. Vous savez que j'adore les donuts? Ça marche. Écoutez, parfait. Vous avez vraiment un beau ceinturon, officier, hein. Très gentil, merci. Je pourrais avoir votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Oui, mon nom ou mon prénom? Non, votre nom, prénom, identité, éventuellement votre numéro de téléphone pour qu'on vous recontacte. Ah, oui. Mon identité, c'est Norbert Donny. Norbert Donny. Vous savez, d'accord, je peux dévorer plus de 500 donuts en moins de 5 minutes. Vous le croyez, ça? Alors non, j'y crois pas, non. Non. Monsieur Donny, très bien. Oui. Pour avoir votre numéro de téléphone? Oui. Vous voulez quoi? Mon numéro de téléphone portable? Tu l'as... Il y a un numéro de téléphone sur lequel on pourra... D'accord, ok. 284 366 2976. C'est bon pour vous? Ah, c'est bon, merci monsieur, monsieur Denis. Très bien. Vous savez quoi? Oui. Une fois avec mon petit frère, on a voulu voler. Il m'a fabriqué des ailes en papier. Quand j'ai sauté du toit de l'hangar de mon papa, je me suis explosé le nez sur le sol. D'accord, ok, bah écoutez, mes condoléances. Monsieur Denis, mais non, mais je suis pas mort. Bon. Je vous recontacte, oui. Je vous recontacte en cas de besoin. Ouais. Vous pouvez repartir, d'accord. Si vous avez des petites infos à me dire en plus, n'hésitez pas, c'est le moment. D'accord. Là, du coup, je vais les constater. Ouais, d'accord, et eh ben ça marche. Merci. Au revoir, bon courage, officier. Et n'oubliez pas, si un jour vous voulez venir manger avec moi, je suis un grand fan de Poutine. Enfin, pas le président, d'accord. Le fromage avec les frites.
Et d'accord, pas de soucis. Au revoir, monsieur. À bientôt. À bientôt. Ce qui sait pas, le mec, c'est que c'est moi qui ai explosé le véhicule. Alors oui, vous me direz, c'est un petit peu con, pourquoi tu te grilles en faisant un message 911? C'est un petit peu le principe, en fait, du serveur Law Enforcement, c'est-à-dire que quand on fait des actions, justement, vu que le serveur s'appelle Law Enforcement, on fait des interactions avec la police, tout simplement. Donc, faut savoir que les civils sur le serveur, en fait, font leur propre scénario et partent du principe qu'il y ait des personnes, en fait, dans le secteur, vite tous les jours, qui voient leurs conneries et qui signalent à la police. Donc, on a cette petite fonction, en tout cas sur le nouveau serveur aussi, qui nous permet de faire des petites notifications en chat que tout le monde voit. Voilà. Je vais continuer du coup mon petit tour dans le secteur. Je vois qu'il y a un petit camion Weasel News là-bas. Ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs. On va aller voir un petit peu à l'intérieur si on n'a pas moyen de récupérer des donuts. Bon, en tout cas, c'est bien fun parce que c'est vraiment le truc où on peut faire tourner en rond les policiers. Et ça peut être vraiment sympa à faire. On va continuer notre petite balade. Ok, ici on n'a rien sur la droite, pas de véhicule. Mais je vais aller voir parce que le petit camion de Weasel News, là, s'il y a une petite boîte de donuts qui traîne sur le siège, personnellement, je me la ferais bien. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a un coffee cup? Pas coffee cup. Non, il n'y a pas de coffee cup. Merde! Ça, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave, on va continuer notre petit tour. Ah! Un petit véhicule sympathique là-bas. Par contre, je vais vraiment ralentir parce que... Ouf! J'espère qu'il y a un coffee cup là-dedans. Parce que s'il y a un coffee cup, je me le fais, mais direct. Voyons voir là-dedans. Il y a un coffee cup. Ok, c'est parti, on va se le faire. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de flic. Il n'y a pas l'air d'avoir de flic. Ok, c'est parti, on explose la vitre. Alors par contre, je vais peut-être devoir faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire monter carrément sur le... Alors là, faut que je fasse gaffe parce que dans la vraie vie, c'est une capote. Ah, merde, par contre, j'ai explosé le pare-brise. Parce que c'est du papier de verre dans ce jeu. Ok, nickel, j'ai explosé la vitre. Du coup, on va signaler... un autre appel 911. Une personne signale une fracture de vitre de voiture. Entre le 4B, on va dire 4B50 et 4B50. Merde, je me suis trompé. Alors, /911. Une personne signale une fracture de vitre entre le 4B50, c'était du coup, et 4B51. Ok, c'est parti, on va envoyer ça. Putain, la commande bug un petit peu par contre. Ok, bon, c'est parti du coup, on va faire un petit... on va prendre notre temps là cette fois-ci, on va essayer de trouver une petite animation. Pour faire un petit... genre comme si on voulait récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors attendez, par contre je cherche parce que je crois que c'est Bun Bean. Oh putain, je me suis fait griller là par contre. Je vais dégager. Je me suis fait griller. Ah ben voilà, mais enfin la police. C'est pas trop tôt. Bonjour. Je me suis fait griller. Bonjour. Bonjour. Ah, je vous dérange pas? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh bah dites donc. J'ai aperçu là tout à l'heure une personne qui était en train de fracturer des voitures des vitres de voitures. Vous le croyez ça? C'est pas possible. C'est vrai? Voilà, et alors là, du coup, en fait, je passais dans le secteur et je l'ai vu. Il est revenu. D'accord. Il est revenu. Vous l'avez revu, d'accord. Voilà, je l'ai revu. Il est repassé, il a fracturé la vitre et il est parti en courant. Il est parti par là-bas. Par là-bas, c'est-à-dire? Ouais. Bah, il est parti par là-bas en courant. Il a regardé dans le véhicule, il a fouillé. Et puis, il est parti, il a pris la fuite. Je sais pas ce qu'il cherche, hein. Mais il était bizarre, hein. D'accord. C'était un espèce de mec de la cinquantaine, assez costaud. Il était baraque hein, quand même le mec hein. Oh. Il comprend. D'accord. Et vous faisiez quoi ici là monsieur? Alors moi j'étais parti acheter une boîte de donuts en fait. Parce que vous savez moi je suis un grand fan de donuts. Je peux en manger 500 en moins de 5 minutes.
D'accord, ah oui, effectivement, d'accord. Et comme... Mais qu'est-ce que vous faites là, dans la petite ruelle, précisément? Ah, bah là, je passais parce que je me disais que ça coupait, je crois, là, la petite ruelle, ici, là. Ça coupe ou pas? Ah, ça, je ne sais pas. Ça dépend d'où vous venez et où vous allez. Ah, moi, je suis simplement en promenade. D'habitude, je suis sur la campagne parce que je suis de là-bas, moi. D'accord. Et sinon, petit aparté là, monsieur. Vous avez vu le nouveau triple cheese en ce moment chez Burger Shot? Ils mettent du bacon dans le milkshake maintenant. C'est trop bon. D'accord, d'accord. Vous avez votre ID sur vous, monsieur? Ouais. Enregistré sur notre ordinateur, comme quoi on a eu affaire à vous qui nous avez donné la description de la personne. Ouais, d'accord, ok. Je pourrais venir un espèce d'informateur si vous le voulez. On pourrait être copains. Oui, bien. Vous savez, la dernière fois, mon cousin, il m'a dit de prendre 6 boîtes de donuts. Il m'a dit, tant que t'as pas la courante qui te ruisselle le long des jambes, c'est que tu peux y aller. Donc on peut se faire éventuellement un apéro aux donuts. Vous passez à la maison, un de ces quatre. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Allez-y, présentez-moi votre aide. Flo, tu peux regarder les dégâts sur le véhicule, s'il te plaît. Ouais, voilà, monsieur, vous avez un très très beau ceinturon. Merci. Je vous laisse patienter juste là, monsieur, le temps que ouais. Je fasse des petites vérités. Il vient de faire tout un tas de trucs pour essayer de me piéger, mais il n'y arrive pas. Il vient de mettre un enculé. Monsieur, tenez, je vous rends votre pièce d'identité. Ah oui, merci, mon petit. Hey. Croyez-moi que si je le retrouve, je vais faire mon nécessaire pour l'arrêter, hein. J'y compte bien, monsieur. Est-ce que vous avez un petit numéro, là, pour que je vous contacte? Ça s'appelle le 911. D'accord. J'hésiterai pas. Voilà, monsieur. Bon, ben. Et j'espère ne pas vous retrouver sur une troisième voiture. Oh, non. Vous inquiétez pas pour ça. Je vais aller dans ma petite boutique de donuts. Eh ben allez-y, je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, les copains. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir. Je viens de le niquer royalement. Bon. Le problème, c'est que j'ai appelé la vieille pour l'inter, elle se rappelle de rien. Voilà, alors en fait, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait, parce que c'était un petit peu compliqué. En fait... Ok, du coup je les entendais loin. En fait là dans le chat, vous voyez, il m'a mis qu'il appelait la femme, donc la requérante, donc fictive, hein, qui aurait appelé le 911. Et en gros moi je lui donnais une description à peu près basique parce que j'ai fait genre que la vieille elle voyait pas grand chose, qui a vu l'intervention. Et ce qui fait que ça fait... Enfin j'ai donné des détails qui auraient pu me faire interpeller. Et en fait ils avaient pas grand chose pour me relier. Là, vraiment, le truc pour qu'ils me grillent, c'est qu'ils me prennent en flag. S'ils arrivent à me prendre en flag, ça sera tant mieux pour eux. Bon, je vais essayer de me la jouer un petit peu plus discret maintenant. Et faire en sorte qu'ils me grillent pas, mais voilà. Donc, ils avaient rien contre moi concrètement, donc ils pouvaient vraiment pas me griller. On va tenter de traverser un petit peu la route. Mais là, voilà, le but, ça va vraiment qu'ils... Ça va être un petit peu le jeu du chat et la souris. Ça peut être vraiment fun. Ça peut être vraiment fun. Ok. Bon, on va aller voir du coup, on va aller continuer un petit peu la chasse au coffee cup. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnes ici. Enfin, en tout cas, pas d'autres policiers. On va quand même regarder dans la ruelle là-bas. Non, ça a l'air calme. Bon, alors, c'est parti. Allons voir un petit peu si on n'a pas d'autres coffee cup. Bon, je crois que le Ford Explorer a avancé. Je vois pas trop de flics à l'horizon. J'ai envie de me tenter peut-être le petit véhicule blanc là-bas, puisqu'on est quand même... Ah non, ah, d'accord, il y a le véhicule juste là-bas à gauche. Vous voyez, je pense qu'ils sont en train de faire le tour du secteur maintenant, je suis peut-être grillé. Donc on va peut-être essayer de pas mal se balader et de changer de secteur. En tout cas, ils me tournent autour, et c'est en train de vraiment créer du stress et des interactions plutôt sympathiques. Ah merde, putain, je suis grillé. Et surtout Franck, parce que c'est Franck en fait, la personne qui m'a contrôlé, là, le blond. Donc le personnage blond, je sais que lui... Il va pas me lâcher jusqu'à temps qu'il me ramasse quoi. On va monter sur le parking. Je pense qu'on va monter sur le petit parking là-haut. Comme ça ils me verront peut-être pas. Ok, bon, je vois pas trop de véhicules à l'horizon.
Par contre ici, ah, t'es grillé mon gars. C'était bien joué, franchement. C'était bien joué. Regarde là. Fais signe de la main. C'est ici que vous cherchez vos donuts, monsieur? Salut. Ah. Bah non. Mais je me balade. Je visite. Ah, vous quittez un parking. Ah bah non, mais je me dis c'est quoi ce truc qui monte? Du coup, je viens voir. Voilà. Peut-être un parking quand il y a marqué parking. Bon, je sais pas, j'avais pas vu, il y a écrit parking. Ouais, c'est écrit, monsieur. Ah ouais. Ah merde. Ah, oui. Merde, hein. En même temps, vu la paire de lunettes que j'ai, faut pas s'étonner, hein. Voilà, on va éviter de fracturer une troisième voiture, monsieur. Hein. Oh. Oh, j'en étais sûr. Vous êtes en train de me soupçonner d'avoir volé dans le véhicule. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Vous connaissez, monsieur, la présomption d'innocence? Ben ça, c'est mon avocat, mon frère avocat qui m'en a parlé. Ah oui, c'est pour ça que je vous laisse circuler, monsieur. Ah oui. Et acheter vos donuts. Oh là 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 là. Vous êtes pas tranquille quand même, hein. Vous êtes persécuté, mon jeune ami. Oh, mais non, mais moi je suis... Oh là 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 là. J'ai un large sourire, je n'attends qu'un fait, qu'un appel, oui. Ah oui. Bon bah écoutez, bonne journée, bon courage à vous. Bonne journée, monsieur. Putain. Oh merde, il s'est fait griller comme une grosse perte. Pourtant je l'avais pas vu en vrai, je l'avais pas vu monter le parking. Mais lui par contre il essaye de me piéger mais il n'y arrive pas. C'est énorme vraiment ce jeu du chat et la souris qui est en train de démarrer. Mais bon, je vais essayer de faire en sorte de pas me faire griller. Mais lui, par contre, il essaye de faire le tour, etc. Mais c'est vraiment plus fun, en vrai, de faire des balades comme ça. Enfin, des tournées sans véhicule. Ça permet vraiment de... ça permet vraiment de découvrir le décor autrement, quoi. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Bon, on va continuer notre petit tour. Je pense qu'on va peut-être essayer d'aller sur l'autre parking. Mais là, on est vraiment en train de commencer à se faire griller à mort, quoi. Mais par contre, il est sur l'autre parking. Bon, ça va être compliqué. Ok, coffee cup, c'est parti. On va essayer de péter la vitre. Il n'y a pas de flic à l'horizon. Si je dis pas de conneries, ça devrait le faire. C'est parti. Allez, on monte dessus. Ok, c'est parti. Nickel, j'ai niqué la vitre. Ok, bonne bin. Où est-ce que c'est? Allez, vite. Ah ok, bonne bin, c'est parti. On récupère, j'espère qu'il n'y a pas les flics. Ok, je vais faire récupère la boîte de donuts. Mets des donuts dans ses poches. Ok. C'est parti, on va se dépêcher par contre de passer un appel 911. Fracture... de vitre. Tac. Au niveau Morningwood Boulevard. Ok, c'est parti. 911. Fracture de vitre. Morningwood Boulevard. Voilà, nickel. Merde, Morningwood, c'était en un seul mot. Okay. Ah, mais on a un hélico. Ah non, c'est pas un hélico de chez nous. C'est pas un hélico de l'ASD. Je croyais que c'était un hélico de l'ASD, mais c'est pas un hélico de l'ASD. Oh là là là. What? Ouais, monsieur, contre le capot. Oh, oh, pourquoi, mon gros? Contre le capot. Ok. Pourquoi il m'arrête? Je peux savoir ce qui se passe, mon bon ami? Hé! Il me fouille! Mais qu'est-ce que vous faites? Collègue, tu prends la boîte de donuts, tu la poses sur le capot. Mais je viens d'aller au magasin. Hop. Je viens d'aller au magasin. Attends, je vous place les objets de sûreté. Oh là là. Mais j'ai rien fait. What? J'ai juste cassé la vitre. Je l'accompagne sur le trottoir.
Mais monsieur, que, pourquoi vous me mettez les manottes? J'ai rien fait du tout. Ça fait plusieurs fois qu'on est appelé sur un casque de véhicule et... D'accord. Et à chaque fois vous êtes là. Bah je pense que c'est une coïncidence parce que je suis juste un touriste. Je cherche des donuts. Il doit y avoir une... Comment il marche, ouais. D'accord, mais... et la Oracle Noire là qui est en face, hein, avec la vitre cassée, c'est une coïncidence aussi? Oh oui, mais je sais pas laquelle. Ok. Celle juste en face là, avec la porte ouverte. Tu vérifies. Ah oui, c'est vrai qu'elle a la vitre explosée là-bas, et la porte ouverte, dis donc. J'adore la démarche du policier là-bas. Oh merde. Bah dites donc, c'est pas mon genre de chance, on dirait, hein. On va mettre que j'ai du sang quand même depuis le temps, parce que depuis le temps que j'explose des vitres de véhicules, ça serait un petit peu plus RP. Pourquoi quoi. Vous avez du sang là sur les bras? Ah, je me suis gratté. Ouais. Ça me gratte en ce moment, j'ai des démangeaisons. Vous avez une belle plaie quand même, hein. Oh non, je me suis ouvert avec mes ongles sont longs. Ouais. J'ai des ongles de porc. Vous voulez qu'on appelle une médicale pour vous, pour vos bras? Oh non, ça va aller, vous inquiétez pas. Bon là, on n'a pas le choix, on va devoir mettre l'homme menotté avec le chapeau de paille à exploser la vitre et a pris des choses à l'intérieur. Voilà, bon là on n'avait pas le choix parce qu'effectivement il y avait des passants juste à côté qui, vous voyez, juste là-bas au niveau de JNP qui auraient très bien pu me voir en tout cas dans la réalité. Merci monsieur Ta. Je crois que la Franck du coup s'est mis en transparent dans le secteur pour faire genre en fait qui va poser donc, des questions. Monsieur, vous êtes allé où là pour vos donuts? J'ai trouvé une petite boutique là-bas un petit peu plus haut de l'autre côté. Elle était un petit peu plus haut. Du coup, j'en ai acheté. Okay. J'ai acheté une boîte, une grosse boîte. Bah, c'est celle que vous avez récupérée à l'instant, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, monsieur. Oui. Vous voyez les personnes qui sont sur la terrasse du café, là-bas? Oui, oui, oui. Voilà, donc j'ai pris contact avec eux. Oui. Bah, il s'avère que c'est vous qui avez explosé la vitre. Oh, merde! Mais non, c'est pas moi. Ah bah non, bah ça doit être un cousin jumeau alors. Ah oui, 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 bah oui. Vous savez, je l'ai vu. Je l'ai vu, celui-là qui a fait ça. Ah, vous l'avez vu. Ah oui, oui, je l'ai vu. C'était c'est un fou, un grand même, hein. Un grand black. C'était un grand black un avec grand un black. Book. Avec un book. Avec un book. D'accord. Voilà, il avait les cheveux de peigné à rat. Oui, bah oui, oui. Voilà, et j'avais envie de vous dire, essayez pas de me courir après, je suis capable de vous mettre la honte. Mais tout à fait, mais y a pas de souci. Donc les personnes que j'ai interrogées sur les dégradations sur le véhicule mentent, donc hein, c'est bien ça. Ah oui, oui, ah oui, c'est certain. Moi, je suis un homme honnête. Bien sûr. Mais tout à fait, je n'en doute pas, comme le fait qu'on vous recroise sur les deux autres précédents véhicules cassés. Ah non! Mais ça, c'est des coïncidences. Je viens de la campagne. Ah oh, bah oui. Ah oh, bah oui, oui, oui. Je vais faire griller. Bon, oh merde. Je vais solliciter les droits pour l'état d'arrestation. Venez ici. Je me barre. J'ai rien à perdre. Vite. Really? Par contre, je suis gros. Je suis gros, donc c'est pas facile. Monsieur, arrêtez-vous. Oh, oh non, oh non. Ok. Ne précipite pas, te précipite pas. Oh là là. Vous avez bien dit. Ne pas essayer de me courir après. Je suis capable de vous mettre la honte. Oh là là, dites donc. Oh, vous m'avez fait courir. Hein. Là, tu l'embarques. Oh, vous m'avez fait courir. Faites attention. Ah bah, vous aurez peut-être pas dû. Oh, je crois que c'est la fin. Oh non, Robert Denis est interpellé. C'était énorme. Oh, vous m'avez fait courir, dites-donc. Oh, j'y suis pour rien. Tu l'as palpé?
Je suis pour rien. Il a été palpé l'individu ouais. ou pas? Ouais, ouais, il a été palpé. Avec une boîte de... Ouais, j'ai été palpé. J'ai été palpé. Bon bah c'est bon, vous foutez dans le véhicule, au moins on est sûr qu'il courra plus. Mais non. Donc là on est presque sûr aussi. Mais non, c'est pas moi. C'était un grand black. Il était moche. Dites à... Dites-toi si je peux d'enlever son chapeau là, j'ai peur que ça... J'ai peur qu'il s'envole. Ouais, ça... Il est très bien mon chapeau, vous me laissez mon chapeau tranquille. Il est accroché à votre tête, votre chapeau. Il est très bien mon chapeau. J'ai l'impression. Marc, il s'envole, il y a des antennes après. Ah merde, bon je pense que ça va clôturer cet épisode en tout cas. Il avait mal à son chapeau. Merci à tous encore une fois de m'avoir suivi, j'ai vraiment kiffé ce petit épisode en mode donc voleur de donuts du côté de Rockford Hills. C'était Jordan. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un épisode civil en mode donc Norbert Donny. À la prochaine, ciao.